Bonjour, moi c'est Serena, j'ai 22 ans. Je fais partie de l'émission Les Ch'tis à Mykonos qui se voit sur W9. Donc voilà, mais je suis mannequin, passionnée par la mode. J'aime beaucoup ce que je fais. En parallèle, je fais des études d'éducateur, bien entendu, parce que c'est très important de pouvoir apporter son aide et aider les gens autour de soi. Donc voilà. Je me définis tout simplement comme une personne très joyeuse. Je crois que la vie a plein dents. Je suis très à l'écoute des gens. J'aime aider les gens. J'adore le sport. J'aime beaucoup faire la danse aussi. Et puis, ben, je suis une boule électrique. J'ai simplement voulu participer à l'émission pour l'aventure humaine. J'avais déjà passé le premier casting de la saison 1 pour les Ch'tis à Ibiza. J'ai pas été reprise en fait. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas retenter pour la troisième saison, les Ch'tis à Mykonos. Et donc, du coup, j'ai passé le casting et j'ai été prise. Mais c'est surtout en fait pour l'aventure humaine, c'est pas le côté bling bling ou autre chose. C'est pour l'aventure humaine, rencontrer des gens et tout avant tout, quoi. C'est super important. Mon meilleur souvenir en fait à l'heure actuelle est le fait que j'ai pu faire un shooting photo avec une des candidates avec qui je m'entends très très bien, que je vois chaque semaine, que je suis en contact toujours avec elle, on fait les folles, on s'amuse très très bien et donc ça reste mon plus beau souvenir parce que c'est une personne que j'aime beaucoup et que j'apprécie énormément, que j'ai pu découvrir tout au long de l'aventure et encore à l'heure actuelle, donc mon shooting avec cette personne reste le meilleur souvenir. Donc à l'heure actuelle, je m'entends très très bien et je garde des contacts avec les personnes vraies dans l'émission. Donc c'est-à-dire, il y a Gaëlle, il y a Jordan, il y a Vincent. Et voilà, puis vous verrez la suite parce que ça réserve des petites surprises. Donc je ne dis rien, je ne dévoile pas. Je ne sais pas si on aura la chance de me revoir à la télé, je l'espère en tout cas. Donc je croise les doigts, j'aimerais bien faire la saison 4 qui est d'ores et déjà annoncée, quoi, ce sera à Las Vegas. Donc bon, on verra. J'ai déjà participé à des concours de beauté, j'en ai participé un quand j'étais toute petite. Et un il n'y a pas longtemps non plus, il y a plus ou moins un an ou deux, mais c'était juste pour le fun, pour l'amusement. Donc voilà, mais je suis déjà en fait dans la mode et mannequin depuis l'âge de 18 ans. Donc, je continue mon petit parcours. En 10 ans, mais je me vois tout simplement éducatrice spécialisée. Voilà, parce que c'est le métier que je veux faire plus tard. Donc, ce sera plus dans la mode. Ça, c'est d'office parce que voilà, quoi, c'est éphémère, ça dure qu'un certain temps. J'ai la tête sur les épaules, donc je me rends compte de cela. Et c'est pas vraiment ce que je veux faire de ma vie. Donc j'ai besoin d'un métier à vraie valeur, quelque chose d'important. Donc ce sera le métier dont je finis mes études à l'heure actuelle. Je ne suis pas très jeu vidéo. Par contre, j'aime bien Mario Bros. J'aimais bien Sony aussi dans le temps. Je suis un petit peu vieille donc. Mais sinon je ne suis pas très très jeu vidéo. J'adore Dr. Oz, Grey's Anatomy, Esprit Criminel. Ça, c'est les séries que j'aime vraiment bien. Et puis maintenant, Les Ch'tis à Mykonos, W9. C'est une bonne série aussi. je suis très très fan des réseaux sociaux, dont Facebook, Twitter. Je suis une grande fan. D'ailleurs, j'ai un Facebook, si vous voulez. C'est Serena Mykonos. Et mon Twitter, ben, vous tapez SF officiel et vous tombez sur mon Twitter aussi. Je suis très très fan de la petite pomme, donc iPhone, tout ça, Apple, les iPads, donc ouais, je suis une grande fan de tout ça. J'aime bien tout style de musique, donc surtout les musiques à vraie parole, qui ont un sens et tout ça, qui nous parlent en fait tout simplement. Donc j'aime principalement celle-ci, mais à la base tout style de musique, là aussi pour quand je suis en discothèque. Ce que j'utilise le plus en ce moment sur mon téléphone, c'est WhatsApp.
sur mon iPhone, tout simplement bah, pour communiquer avec mes amis à l'étranger, donc principalement à la France, les personnes que j'ai rencontrées dans l'aventure, donc sur WhatsApp. Spéciale dédicace à tous les lecteurs de megagameblog.com. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de m'avoir écouté et de me regarder. J'espère que vous allez me suivre sur W9. J'oublie pas, un très très gros bisou à Dev Sander. Merci pour cette superbe interview avec toi.